comment mettre F6 en français sans avoir des bugs? Parce que quand vous craquez F6, bon, je ne dis pas craquer comme ça, hein, c'est-à-dire quand vous arrivez à avoir l'accélération, le F6 accélération, et que vous le mettez en français encore, avec les logiciels normaux pour le mettre en français, vous avez parfois des bugs et tout ça, tout ça. Donc, je vais vous montrer juste une petite astuce, tu vois, un petit truc là, qui va vous permettre de ne plus avoir ces problèmes. Vous allez voir, c'est rien du tout. Au cas où certains d'entre vous ont eu ce problème, vous pouvez les résoudre comme ça. Moi, ça m'a résolu cela. Alors, j'espère aussi que ça pourrait vous aider. Ok, voilà. Là, vous allez dans 10 local C. 10 local C, programme File 86. Ensuite, vous allez à Microsoft Game. Voilà, Microsoft Game. Bon, excusez-moi un peu, j'ai lancé beaucoup de programmes alors mon PC rame. Microsoft Flight Simulator. Alors, ouais. Donc, si vous voulez craquer ceci, d'habitude, on prend le dossier Microsoft Flight Simulator, ceci, c'est-à-dire ce dossier-là, celui-ci, et on le craque, on le traduit en français. Ouais, bon, pour la traduction, pour ceux qui n'ont pas encore fait la traduction, je peux vous montrer où vous allez pouvoir trouver ça. C'est un tuto fait par. Excusez-moi, j'ai un peu oublié là, je dois avoir quelque part ici. Ok. Ah non, c'est plutôt. Que j'avais téléchargé, ça ne pèse rien du tout. Vous pouvez lui dire merci beaucoup parce qu'il nous a beaucoup aidé en faisant ça. Alors voilà, le patch français de Alpha Tunis. Alors, patch français Alpha Tunis, ça fonctionne très bien. Surtout si vous n'avez pas installé F6 accélération, que F6 est de base, celui-ci, vous l'utilisez, vous rentrez dedans, vous n'avez qu'à le lancer. Là, il est en train de se lancer. Excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup de programmes en cours. J'ai un téléchargement là qui passe, Cyberlink, tout ça, ça prend beaucoup. Bon, là, vous ne voyez pas, mais il vient de me demander de mettre sur OK, oui, pour passer en mode administrateur. Vous acceptez, vous le faites. Va bientôt s'allumer. Donc là, dans ce cas, vous vous retournez dans le dossier de Microsoft Flight Simulator. Celui-ci. Oui. Donc c'est ça que vous allez utiliser pour le crack. C'est-à-dire quand vous lancez le crack là, suivant, c'est ça. Vous allez localiser le jeu. Moi, le mien, il me l'a déjà pris. S'il ne le prend pas, vous appuyez ici, là, et vous le localisez. Voilà. Mais bon, ça fonctionne. Mais dès que vous installez F6 Accélération, quand vous le faites, vous rencontrez des bugs. Ça se plante. Alors, je vais vous montrer comment faire. Bon, ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir Microsoft Flight Simulator X et vous allez enlever tous ces fichiers qui sont ici. Tous les fichiers qui sont en bas à partir d'ici. Voilà. Qui ne sont pas, ceux qui ne sont pas des dossiers. Vous les enlevez tous, vous les prenez le tous. Là, vous les prenez le tous jusqu'à la fin. Jusqu'au bas, fin complètement. Voilà. Et vous les coupez et vous les déposez ailleurs. Vous pouvez créer un petit dossier sur le bureau. Vous pouvez le nommer dossier temporaire. Vous coupez tout ceci et vous le collez dedans. Ensuite, vous utilisez le patch de by Alpha, sans sens, Alpha Tunis. Vous pouvez le télécharger sur le net. Si je vois son lien, je vous le mettrai dans la description. Mais vous n'avez qu'à taper patch français F6 Alpha Tunis et vous le trouverez. Et alors maintenant, quand vous aurez enlevé tout ceci dans le dossier de Microsoft Flight Simulator, vous choisissez maintenant le dossier et vous le patchez en français. Et quand le patch sera fini maintenant, vous revenez, les dossiers sont là, vous reprenez ce qui est dans votre dossier temporaire et vous le recollez là. Et voilà. Le seul pépin, c'est qu'il ne traduit pas tout en français. Mais la majorité est quand même en français. Il n'y a que quelques petits détails venant de accélération qui ne passent pas en français. Mais ça marche quand même. Bon. J'espère que ce tuto vous fera beaucoup plaisir. Ce sont mes premiers, alors s'il y a des remarques, allez-y, lâchez un comme dans la description. Je vous écoute et je vais m'améliorer. Et si vous avez besoin d'un truc aussi, vous me demandez.
Je vais vous le faire. Voilà. Alors, c'était Tergo 10 pour un petit tuto pour mettre FS6 accélération en français. Okay. À plus.